Ouais, allô? Quoi? Quand? À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Les filles. Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Ça se passera où? À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. J'étais mon fils préféré. Les filles, je suis très choquée. André nous a expliqué qu'il pouvait plus changer d'avis. Quoi? Mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. T'étais tellement vilaine, enfant. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Oh. Je veux presque plus bouger. Plus faire les gestes simples de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que t'as jamais quitté papa avec tout ce qui t'a fait subir? Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Ouais, mais t'es toute frigorifiée! Non, mais je me sens vivante! Tu te rends compte? Ce qu'on est en train de faire pour lui, là. On va être pleureuse. Et si vous refusiez, que se passerait-il?